way connected. From outside this world. This is weird. Watch it. Right? I mean, that's just a truth. Government has made contact with intelligent extraterrestrials. Bonsoir à tous, nous nous retrouvons ce soir avec Jean-Claude Bourré. Bienvenue Jean-Claude, un plaisir de vous recevoir. Vous êtes major, vous avez été major de promotion radio au centre de formation des journalistes, grand reporter, puis rédacteur en chef adjoint de France Inter. Vous avez participé à la création de France 3, rédacteur en chef et présentateur du journal de TF1, puis de la 5, puis de RMC. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Vous êtes décoré de la médaille scientifique Pégase du laboratoire de recherche sur la foudre et chevalier de l'Ordre national du mérite. Et pour retenir un fait d'armes dans toute votre carrière, vous avez été le journaliste qui a révélé en 1986 que le nuage de Tchernobyl avait bien traversé la France. La première question que j'aimerais vous poser, puisqu'on s'adresse aussi à mes étudiants par ce média, ce serait surtout par rapport au fait d'armes que je viens d'évoquer sur le nuage de Tchernobyl, quel est le rôle du journaliste dans une démocratie ? C'est de permettre à chaque citoyen de comprendre le sens de sa vie et le sens de son engagement citoyen. Je suis très frappé de constater que les confrères regardent le fonctionnement de la société par le petit bout de la lorgnette. Par exemple, en ce moment, on va vous parler de l'inflation, on va vous parler de familles qui n'arrivent pas à manger tous les jours à leur faim, etc. Mais on ne parle pas du tout des milliardaires qui sont derrière et qui se goinfrent par centaines de millions dans des proportions que les gens ne peuvent même pas imaginer. Il y a un exemple que je donne souvent et qui est très clair. Parmi les milliardaires qui dirigent le monde, il y a M. Bezos. M. Bezos a créé Amazon. C'est un grand succès, très bien, c'est un homme intelligent, il a fait quelque chose de formidable qui lui rapporte beaucoup d'argent. Mais quand je dis qu'il lui rapporte beaucoup d'argent, ça ne veut rien dire. Maintenant, je vais vous expliquer ce que ça veut dire rapporter beaucoup d'argent. J'imagine que si je vous dis que je gagne 10 000 euros net par mois, vous commencez à vous dire « c'est un gros salaire ». Si je vous dis que je gagne 100 000 euros net par mois, vous vous dites, c'est un très, très gros salaire. Maintenant, je vais vous parler de la femme de M. Bezos, qui est une dame tout à fait respectable et sympathique et qui, au bout de je ne sais plus combien, 17 ou 23 ans, a divorcé de son milliardaire de mari. Eh bien, elle a touché, via le procès évidemment que ses avocats ont fait à son mari, 38 milliards de dollars. Alors, je vous dirais, elle a touché 14 milliards de dollars où elle a touché 2,7 milliards, c'est des sommes tellement colossales que pour nous, c'est la même chose. En revanche, si je vous rappelle que l'euro million, ça dit quelque chose, a atteint une ou deux fois 200 millions d'euros. Alors 200 millions d'euros, c'est une somme absolument colossale, puisque je rappelle qu'un travailleur au SMIC gagne 650 000 euros dans toute sa vie. Vous voyez, 650 000 euros dans toute sa vie, c'est-à-dire en 42 ans de cotisation. Eh bien, Madame Bezos a touché, via ses 38 milliards de dollars, l'équivalent de 100 millions, vous entendez bien, 100 millions d'euros par jour pendant un an. 100 millions d'euros par jour pendant un an. Et malgré ça, la fortune de M. Bezos a augmenté de 18% cette année-là. Donc, on est dans des domaines que les gens n'imaginent pas. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut toujours, quand on parle des sommes astronomiques, puisque je pense qu'on va parler aussi un petit peu des ovnis et donc des autres galaxies, il faut avoir les pieds sur Terre et donner des exemples concrets pour que tout le monde comprenne. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors du coup, quel serait le contre-pouvoir que pourrait exercer un journaliste dans ce cadre-là ? Ben, vous savez, le journaliste, il a de moins en moins de pouvoir et donc de moins en moins de contre-pouvoir.
Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste? C'est quelqu'un qui a fait des études, en principe supérieures, pour apprendre à aller chercher l'information, à vérifier l'information et à la donner de telle façon qu'elle soit la plus claire possible à ses lecteurs, à ses auditeurs ou à ses auditeurs. Mais évidemment, les milliardaires ne sont pas fous. Ils gagnent beaucoup d'argent en nous amusant, sans que nous en ayons conscience, avec des tas de domaines totalement insignifiants, qui sont le sport. Alors bon, le sport, c'est très bien, j'en ai fait énormément, j'aime beaucoup le sport, mais bon, la vie de Mbappé, le nombre de buts de Mbappé ne change strictement rien au fonctionnement de la planète, sinon qu'il donne un peu de joie à des gens qui n'ont que ça pour avoir un peu de lumière dans leur vie. Donc, vous avez le sport, les sports, vous avez tout ce qui est la détente, la lecture, le cinéma, les surfaces digitales comme les ordinateurs, les smartphones, etc., où les gens ont les yeux rivés là-dessus. Quand je prends un autobus ou quand je suis dans le train ou dans un avion, je suis frappé de constater que les gens sont sur leur smartphone comme ça. Il y en a 4 sur 5. Il y a des photos qui m'ont bouleversé parce qu'elles sont significatives du fonctionnement de notre société. Ce sont des étudiants aux États-Unis. Ils sont dans un très grand réfectoire. Ce sont des tables de 20. Il y a 10 étudiants face à 10 étudiants. Il y a 20 assiettes, couteaux, fourchettes qui sont en train de manger. Et on pourrait imaginer qu'ils discutent un peu avec le voisin. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Qu'est-ce que tu as cet après-midi? Qu'est-ce que tu penses de ceci, de cela? Pas du tout. Ils sont tous sur leur smartphone, les 20. Ils mangent avec la fourchette d'un côté et le smartphone dans la main gauche. On est en train de devenir les esclaves de l'intelligence artificielle. Et donc, pour répondre à votre question, les journalistes sont dans des médias et les médias ont été achetés à 90 ou 95% par les milliardaires. Donc, les médias ne dépassent pas certaines limites, sinon le journaliste y disparaît. Et dans votre carrière, vous êtes passé de journaliste à grand reporter à rédacteur en chef. Est-ce que vous avez senti aussi au cours de votre carrière, dans le fil du temps, qu'il y avait une pression de plus en plus grande des puissances de l'argent sur la liberté de parole des journalistes? Depuis que la presse existe, et même je dirais depuis que l'écriture publique existe, depuis que les livres existent, et en gros depuis 500 ans, les pouvoirs politiques et religieux d'ailleurs ont toujours essayé de mettre la main sur ce moyen qu'a le peuple d'approcher un peu la vérité. Et donc, les milliardaires ont toujours été propriétaires des médias, de plus en plus. Déjà, c'était le cas avant la guerre de 14. Alors après, ça a été le cas encore plus après la guerre de 14, encore plus après la guerre de 39-45. Et maintenant, vous avez 90 ou 95% des médias qui sont la propriété de milliardaires. Et ces milliardaires n'ont qu'un seul but, c'est d'augmenter leur puissance et d'augmenter la rentabilité des capitaux qu'ils ont mis dans ces médias. Donc, via la publicité, ils nous vendent des tas de choses, des voitures électriques ou pas, des parfums, etc., des vélos électriques, des vêtements, des marques, etc. Et puis, ils nous vendent aussi les hommes politiques qu'ils ont mis au pouvoir, parce que ce sont les milliardaires qui mettent les hommes politiques au pouvoir et qui sont là pour faire la politique des milliardaires. Vous voyez des gens qui payent des impôts de façon assez substantiel, qui représente un pourcentage significatif de ce qu'ils gagnent, 25, 30, 35%, 40%, ça dépend des périodes et des gouvernements. Et puis vous voyez le gros capital qui est à peine taxé. Donc voilà, on a un exemple tout à fait concret de ce que représente la puissance des milliardaires sur les hommes politiques qu'ils ont contribué à faire élire. Parmi les sujets sur lesquels vous avez travaillé, il y a un sujet qui intéresse énormément la population, mais qui est très peu couvert par les médias, qui est celui des ovnis. Vous êtes vous-même penché sur le sujet, comme vous décrivez dans vos livres, à cause du cas de Turin qui avait été reporté par l'AFP. Est-ce que vous pourriez décrire quelle était la situation sur le traitement de l'information des ovnis avant que vous-même vous vous penchiez sur le sujet? Avant 73-74, comment est-ce que les journalistes traitaient du sujet dans la presse? Je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Pour moi, les soucoupes volantes, comme on les appelait à l'époque, Flying Saucer aux États-Unis,
C'est évidemment une bêtise insondable. C'était des âneries, c'était des inventions de journalistes en balle de copie pour faire vendre du papier, etc. Et puis, un jour, j'étais à l'antenne de France Inter, c'était à la fin de ma participation à France Inter, j'avais été nommé rédacteur en chef adjoint, et c'était en 74 de mémoire comme ça. Et on m'apporte une dépêche de l'agence France-Presse. À l'époque, il n'y avait pas évidemment le numérique, c'était tapé sur du papier. Et cette dépêche racontait l'affaire de Turin, qui pour les spécialistes des ovnis veut dire quelque chose, parce que l'affaire de Turin, c'est en plein jour, un ovni qui est observé par des milliers de gens au sol, photographié par un photographe de presse professionnel, observé par trois équipages d'avions, dont un a essayé de s'approcher de l'ovni, qui n'avait pas bougé pendant une dizaine de minutes au décollage et à l'atterrissage des avions d'Air France et du TA et d'Alitalia. Et puis, quand le bimoteur Piper Astex s'est approché de cet ovni qui ne bougeait pas, qui était une sorte de forme lumineuse non éblouissante, qui était à 800 mètres ou peut-être 1000 mètres d'altitude, au-dessus de l'aéroport de Turin, eh bien, il est parti à toute vitesse. Donc c'était quelque chose qu'on ne comprenait pas. Et quand j'ai décidé de faire une série d'émissions sur les ovnis pour dire, bon, ben, on sait maintenant ce que c'est que l'affaire de Turin, il y a une explication tout à fait rationnelle, il y avait à l'époque, c'était encore l'ORTF, il y avait à l'époque un comité scientifique qui était présidé par des scientifiques de haut niveau qui faisaient partie de l'Académie des sciences. Et je suis allé voir l'un de ces scientifiques pour lui demander l'autorisation de faire une série d'émissions sur les ovnis. Et il a eu cette réponse hallucinante. Il a dit, mais les soucoupes volantes, ça n'existe pas. D'ailleurs, je me souviens d'avoir lu un article dans France Soir qui était une histoire invraisemblable de coucherie avec une martienne. Voilà tout ce qu'un scientifique de haut niveau, en 1974, connaissait du dossier ovni. Et il se trouve que moi, j'ai été en contact avec le GEPAR, de Francine Fouéré et de son mari, qui étaient des gens merveilleux, et qui ont fait un travail extraordinaire avec le général qui était président d'honneur de leur association, je crois qu'il s'appelait général Chassin, de mémoire, comme ça. Et je me suis rendu compte que, bien sûr, qu'il y avait 85 ou 90% des témoignages où les gens se trompaient de bonne foi. Il y avait quelquefois des canulars, mais qu'il y avait environ 10%, c'est-à-dire un cas sur 10, où on n'avait pas d'explication et où c'était très précis. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au dossier des ovnis que j'étudie depuis 50 ans. Et du coup, ces premières émissions qui ont été diffusées sur France Inter vous en êtes servi pour faire la nouvelle vague des soucoupes volantes qui est publiée en 74. Dans C'est exact, l'introduction. oui, tout à fait. Et alors, je ne sais pas qui a fait ça, mais je trouve ça génial. Il y a quelqu'un qui a mis sur le web, quand on tape dossier ovni, bourré France Inter, on a toutes les émissions audio de l'époque. C'est incroyable. Ça m'a fait plaisir de réécouter ce que j'avais fait avec les confrères de France Inter à l'époque. Et dans l'introduction de ce livre, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que vous déclarez qu'il y a certains bandes d'enregistrement qui vous ont été volées concernant ces travaux-là. Est-ce que, moi, ça me semble parfaitement hérétique de voler des archives, en fait. Est-ce que c'était quelque chose qui était spécifique au sujet OVNI? Est-ce que c'était juste de la mauvaise intention? Alors, écoutez, je n'ai pas de réponse à la question. Je pense que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que c'est une mauvaise blague d'un confrère de la rédaction de France Inter qui devait dire bourrine ou casse les pieds avec ses soucoupes volantes. Donc, comme je mettais les bandes dans un casier qui n'était pas fermé à clé, mais qu'heureusement je faisais des doubles qui étaient planqués. J'ai fait l'émission comme si de rien n'était. Et non seulement j'ai fait l'émission comme si de rien n'était, mais je n'ai pas dit un seul mot à quiconque de la rédaction pour dire, tu te rends compte, le bol que j'ai eu, on m'a volé les bandes, on me les a planquées, je ne sais pas quel est le crétin qui a fait ça, mais heureusement que j'en avais d'autres parce que j'ai pu faire l'émission. Je n'ai rien dit parce que je savais que celui qui avait fait ça, il attendait. Il attendait d'abord qu'il n'y ait rien à l'antenne en disant, Bourré fait une annonce, en disant, bah, écoutez, on m'a volé les bandes, je ne sais pas ce qui se passe, rien.
Et quand je suis sorti, après avoir fait ma série d'émissions, je n'ai rien dit non plus. Je n'ai pas dit « heureusement que ». Et je pense que c'est… Je ne sais pas qui c'était, il est sans doute mort depuis, mais il a dû être très mortifié. Il a dû dire « mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que Bourré n'a pas été pénalisé ?» Ah, joli coup. J'avoue que j'ai relu tous les livres cette semaine et j'ai été surpris de la qualité en fait des textes qui étaient écrits en 74. Parce qu'en fait, c'est un livre qui pourrait sortir aujourd'hui et qui reflète tous les débats historiques qu'il y a eu sur le sujet. Et ce que j'ai trouvé de remarquable, c'est qu'en fait, vous laissez parler les documents. C'est-à-dire que c'est des documents qui étaient difficilement accessibles en France à l'époque. Et vous leur laissez la place d'agir en tant qu'autorité. Comment est-ce que vous est venue l'idée de passer de vos émissions sur France Inter à faire un morceau d'histoire avec ce livre ? Bon, c'est très simple. Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Je ne me rendais pas compte de l'énorme impact que cette émission avait. Je ne me rendais pas compte de la passion déjà que beaucoup de gens avaient pour les objets volants non identifiés. J'en ai pris conscience quand j'ai pu faire l'interview du ministre d'État chargé de la Défense nationale, M. Robert Gallet, qui m'a reçu dans son bureau au ministère avec deux de ses conseillers. Il avait fait mettre d'ailleurs sur son bureau tous les rapports qu'il avait demandés à ses collaborateurs, en disant « donnez-moi les rapports d'OVNI que l'armée a pu réaliser depuis 1945 ». Et il y avait peut-être 200 rapports, parce qu'il y avait un tas quand même, et il y avait plusieurs colonnes, et je voyais les gros cachets rouges à l'envers, très secrets, secret défense nationale, etc. J'aurais bien aimé piquer un des rapports pour le lire. Enfin, M. Gallet s'était contenté de dire, voilà, j'ai lu les rapports, et je peux vous dire qu'il y a des phénomènes inconnus, et qu'il faut garder vis-à-vis de ces phénomènes une attitude d'esprit très ouverte, car l'humanité a toujours progressé en étudiant des phénomènes qui, au début, étaient considérés comme inexistants. Donc, ça a été quelque chose d'énorme. Et à partir de là, je me suis rendu compte, à travers le courrier que je recevais, et dont je n'avais pas conscience de l'importance, parce que je recevais au moins 100 lettres par jour, à l'époque, à France Inter. Quelquefois 150, quelquefois 200. Ça me semblait presque naturel. J'étais jeune journaliste, je devais avoir 28 ou 29 ans, et recevoir du courrier parce que je faisais une émission qui intéressait les gens, ça ne me semblait pas extraordinaire, mais recevoir plus de 100 lettres par jour, tous les jours, ça prouvait l'impact de cette émission sur la société française. Et c'est à travers cet impact qui s'est retourné contre les députés, parce que les gens demandaient aux députés, « Monsieur le député, vous avez entendu, il y a des choses qui nous visitent, les soucoupes volantes, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que la France étudie tout ça ?» Et les députés, qui sont toujours prêts à écouter ce que dit le peuple, ont demandé au ministre de la Défense de faire quelque chose, parce qu'ils étaient sollicités par leurs électeurs. Et ils voulaient pouvoir dire à leurs électeurs, bah, « Vous voyez, grâce à moi, j'ai demandé au ministre, et le ministre a décidé de… » Et bien, le ministre, il a appuyé la création du GEPON à l'époque, qui a changé, vous le savez, puisque vous êtes un spécialiste des ovnis, je ne sais combien de fois de nom, parce qu'ils ne veulent pas, ces scientifiques du CNES, avoir l'étiquette ovni, parce que ça a été ridicule pendant je ne sais combien de temps. Maintenant, ça commence à être beaucoup moins ridicule, parce que les États-Unis lâchent pas mal de choses en cette fin d'année 2023. Donc, le GEPON a été créé environ 2 ans après ma série d'émissions et après la sortie de mes livres qui, effectivement, ont eu un impact qui m'a surpris et qui continue, puisque les 4 premiers livres que je considère comme vous, d'ailleurs, sans aucune prétention de ma part, que ce soit clair, puis je donne mes droits. Donc, on ne vienne pas me chercher en disant « Ah oui, Bourré, on raconte des conneries sur les ovnis », parce qu'ils s'en met un maximum sur le compte en banque. D'abord, ce ne serait pas scandaleux, hein. Tous les auteurs sont payés très mal, d'ailleurs, quand ils sortent un bouquin, mais moi, je donne mes droits, donc je suis très à l'aise pour en parler. Eh bien, les 4 premiers livres ont été republiés par je ne sais quelle maison d'édition, mais si vous tapez ça sur le web, vous le trouverez. Par rapport à l'interview que vous avez fait du ministre Bergalet,
Il y a un peu le même point de vue qui est donné par les mêmes services armés à travers la planète, qui est, oui, on détecte ces choses, ça se balade dans l'espace aérien, mais ça ne représente pas une menace. Il faut bien comprendre que le ministre des Armées, mais surtout les services de sécurité, les services de renseignement, n'ont qu'une préoccupation, c'est de faire face à la menace. La menace, en fait, ce sont les menaces. Je suis dans un pays, que ce soit le Canada, le Brésil, la France, les États-Unis, je suis responsable des services secrets. Mon rôle, c'est de donner à mon gouvernement toutes les informations nécessaires qui permettent à ce gouvernement de prendre les mesures ad hoc afin de protéger le pays contre ces menaces, que ce soit une menace qui vient d'un pays quelconque de la planète, que ce soit une menace terroriste ou que ce soit une menace qui vient en dehors de la planète, donc extraterrestre. Je suis persuadé que les grands pays ont un dossier très fourni sur le thème « Est-ce que les ovnis existent ? Si les ovnis existent, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une menace pour notre pays ? Est-ce que c'est une menace pour la planète ?» J'en suis persuadé. Pourquoi j'en suis persuadé ? Parce que, d'abord, il y a plus de 70 ans officiellement qu'on s'intéresse aux objets volants non identifiés. En réalité, ça fait des milliers d'années qu'on décrit, comme Pline le Jeune, au 1er siècle après Jésus-Christ, qui décrit des boucliers ardents qui s'arrêtent au-dessus de champs de bataille et puis qui reprennent leur course. Donc on les voit depuis des milliers d'années, ces ovnis. On les voit aussi à travers les témoignages de toutes les religions, quelles qu'elles soient. Ce qui, par parenthèse, et la phrase que je vais dire pour moi est essentielle, c'est que les ovnis, quand on connaît bien le dossier, permettent d'arrêter les guerres de religion et l'incertitude face aux religions. Parce que quelle est la bonne religion ? Pourquoi y a-t-il plusieurs religions ? Parce que nos ancêtres, depuis des siècles ou des milliers d'années, ont vu dans le ciel des choses arriver. Ces choses ont atterri. Il y a des êtres qui sont sortis de ces choses et qui se sont adressés à nos ancêtres. Et nos ancêtres ont dit « c'est Dieu » ou « c'est l'envoyé de Dieu » qui est venu nous voir. Et donc, ma religion, c'est la seule, puisque l'envoyé du Seigneur a parlé à un de mes ancêtres, et donc je suis dans la bonne religion. Vous imaginez bien que s'il y avait réellement un Dieu, même des dieux, qui s'adressait à nous, il le ferait autrement que par l'intermédiaire de témoins plus ou moins précis qui sont restés dans la mémoire des hommes. Donc, je pense que les ovnis, c'est l'une des solutions pour arrêter les guerres de religion. Et d'ailleurs, ce sujet a été travaillé par le docteur Pasulka, qui a publié American Cosmic il y a 2 ans maintenant, où justement elle travaille sur comment est-ce que les observations d'anomalies ont pu générer ces religions, en fait. Alors, en utilisant par exemple la religion des nations de l'islam, qui a été entièrement créée par l'observation d'un ovni par son créateur. Dans toutes les religions, c'est le même système, si vous voulez. Si vous prenez. Si vous prenez la religion hindoue, vous avez les vimanas qui se baladent dans le ciel, qui sont des vaisseaux pilotés par les dieux, hein, ça dit bien ce que ça veut dire. Si vous prenez la Bible qui est commune aux juifs, aux chrétiens, aux protestants et aux musulmans, puisque l'islam reconnaît la religion du livre sacré comme étant précisément un livre digne de respect, la Bible. Dès les premiers chapitres d'ailleurs de la Bible, il est indiqué noir sur blanc, les fils de Dieu trouvèrent les filles de la terre à leur goût, où je lis, eurent commerce avec elles, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'amour avec les filles, et de ces accouplements sont sortis des géants célèbres, etc. Donc, dans toutes les religions, c'est comme ça. La religion de l'islam, c'est la même chose, c'est la sourate 53, l'étoile, qui est la sourate sans doute la plus sacrée pour les musulmans qui connaissent bien l'islam, qui décrit comment le Coran est descendu sur terre. C'est quelque chose qui est descendu du ciel, une sorte de boule lumineuse, qui s'est posée très près de Mahomet qui était en méditation dans le désert. Cette boule était pilotée
par quelqu'un que Mahomet a identifié comme étant l'archange Djibril, l'archange Gabriel, qui s'est adressé à lui en lui disant « Je suis l'envoyé du Seigneur, tu vas écrire ce qu'il a à te dire. » Et Mahomet a dit « Seigneur, je ne sais pas écrire. » Alors l'archange Djibril a dit bah, « Tu vas l'apprendre par cœur. » Et voilà comment le Coran est descendu à plusieurs reprises, puisqu'il y a eu plusieurs observations très rapprochées, puisqu'il est précisé dans la sourate que Mahomet a vu l'archange Djibril dans cette espèce de boule qui est descendue du ciel à moins de 2 portées d'arc, et même plus près. C'est-à-dire qu'il l'a vu à moins de 100 mètres, c'est-à-dire tout près. Mmh. Et puis vous avez la sourate 54 qui s'appelle « La lune » et qui commence par « Et la lune s'est coupée en deux ». Et donc il y a une moitié de lune qui est tombée sur la terre. On voit bien ce que ça veut dire. Donc dans toutes les religions, c'est ça. Il y a quelque chose qui descend du ciel, qui est habité, qui est intelligent, qui prend contact avec nos ancêtres, qui ne comprennent pas toujours ce à quoi ils sont confrontés. Hmm. D'ailleurs, vous utilisez cet argument dans le premier livre, un argument que je vais vous voler parce qu'il est génial, qui est qu'il n'est pas la peine en fait, de douter de la présence ou non des ovnis, puisqu'en fait, on a déjà rencontré leurs occupants. Et vous listez à l'intérieur du livre des cas de rencontres rapprochées où il n'y a pas de doute de la réalité de ce qui s'est passé, puisqu'il y a les traces au sol, des effets de radiation sur les témoins, etc. Pourquoi est-ce que vous pensez que... tous ceux qui se réclament d'un scepticisme sur le sujet ignorent complètement ces cas-là et se concentrent sur les cas de lumières aériennes qui sont toujours dans une sorte de doute scientifique. Vous savez, depuis 50 ans, je rencontre des tas de gens dans des tas de domaines différents. Je rencontre quasiment tous les jours, directement ou indirectement, des témoins d'OVNI. Je rencontre des gens qui pense avoir photographié un ovni, filmé un ovni. Je rencontre des officiers, des services de renseignement, pas seulement français évidemment, des scientifiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'approcher la vérité. Vous voyez, je suis très près de la mort, j'ai 83 ans, donc je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais j'ai quand même une grande satisfaction. C'est que quand je serai mort, il restera à travers tous les livres que j'ai écrits, qui sont loin d'être uniquement sur les objets volants non identifiés, puisque je ne sais plus combien j'ai écrit de livres, 42 ou 46, et il doit y en avoir à tout casser une douzaine sur les ovnis. Mmh. Donc je pense que ces 12 livres ou ces 14 livres sur les ovnis, je ne les ai pas comptés, eh bien, permettront à ceux qui font travailler leur cerveau de comprendre le sens de leur vie. Et le sens de la vie, il est pour moi très clair. Vous avez, il y a 14 milliards d'années, le Big Bang, la grande explosion. Alors, 14 milliards d'années, vous savez qu'il y a des scientifiques récemment qui ont dit « Non, ce n'est pas 14 milliards, c'est 26 milliards, on s'est trompé dans les calculs. » Peu importe, mettons 14 milliards d'années. Il y a 14 milliards d'années, il y a le Big Bang. Très rapidement, au cours des premières centaines de milliers d'années, vous avez les atomes qui sont créés. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas parce qu'ils ne l'ont pas appris à l'école et qui est pour moi essentiel. C'est-à-dire que les atomes qui vous constituent, qui constituent votre micro, votre main, vos yeux, ce qui est autour de vous, les murs, etc. Tout ça a été créé il y a près de 14 milliards d'années. Et ces atomes sont indestructibles. C'est-à-dire que quand on meurt, tous les atomes qui nous constituent, et qui ont d'ailleurs changé à plusieurs reprises au cours de notre vie, puisque la quasi-totalité des atomes qui constituent un corps changent en gros tous les 15 à 20 ans, sauf les atomes qui constituent le cœur et les atomes qui constituent le cerveau. Tous ces atomes, pour moi, c'est mon hypothèse, et qui ont une puissance absolument considérable, enregistrent en permanence ce qu'ils vivent, et ont une programmation qui leur dit quel que soit l'endroit où vous êtes, il faut que vous vous associez les uns avec les autres pour créer la vie, créer l'intelligence, créer la conscience. Et en créant la conscience, vous recréez le créateur qui a créé l'univers. Vous voyez, c'est une roue sans fin. Les atomes, c'est une puissance colossale, puisque peu de gens le savent aussi. Hiroshima, Nagasaki, les bombes atomiques, plutonium, uranium, qui ont fait en quelques secondes 120 000 morts. C'est une
déflagration absolument colossale. Eh bien, à chaque fois, c'était la destruction de quelques grammes de plutonium ou quelques grammes d'uranium, 2 grammes 2 et 2 grammes 6. Vous imaginez un peu la puissance qu'il y a dans chaque partie de la matière à peine visible. 2 grammes d'uranium, et c'est Hiroshima ou Nagasaki. 2 grammes de plutonium, c'est la même chose. Et 2 grammes de n'importe quel atome, il y a la même puissance dedans. Simplement, c'est plus facile de faire exploser de l'uranium ou du plutonium que d'autres matériaux. Donc, pour moi, le secret, il est dans l'atome. Et les atomes qui constituent chacun d'entre nous sont là depuis 14 milliards d'années. Ils existaient avant que la Terre ne soit créée. Rien, qui le sait, ça ? Pourtant, c'est une banalité affligeante. Et donc, ils ont peut-être constitué d'autres vies sur d'autres planètes avant de se balader comme ça dans l'espace. Quand on y réfléchit, c'est absolument prodigieux. Et ça permet d'ouvrir la réponse à la question « Quel est le sens de ma vie ?» Tout à fait. Et pour les auditeurs qui souhaiteraient un prolongement, on peut rapporter aux recherches de Roger Penrose, prix Nobel, qui justement travaille sur cette conception d'un univers conscient qui pourrait dicter des éléments d'interaction. Par rapport aux rencontres rapprochées, en tant que journaliste, quel est le moment où vous pouvez avoir une assez grande confiance dans le témoignage de quelqu'un pour se dire que ce n'est pas une affabulation, c'est quelque chose qui s'est passé dans au moins la réalité du témoin ? Eh bien, c'est une très bonne question, évidemment, et la réponse, elle est très simple. C'est que dans le témoignage OVNI, il faut au minimum le même type de certitude que nous avons, nous, les journalistes professionnels, quand nous sommes confrontés à un événement qui semble extraordinaire, mais avec peut-être encore plus de certitude, c'est-à-dire plus de témoignages, plus de sources, plus de vérifications. Voyez-vous, je suis en train de suivre l'évolution d'un film qui est en cours de tournage, qui est pratiquement terminé, et qui va reconstituer l'affaire de Valensole. Eh bien, l'affaire de Valensole, c'est l'une des affaires qui s'est produite en France, où nous avons la certitude quasi absolue, je suis toujours prudent, mais à 99,99%, que ce qui a été décrit par l'ouvrier, M. Mas, le 1er juillet 1965, correspond bien à la réalité. Qu'est-ce qu'il a vécu, M. Mas, le 1er juillet 1965 ? Il était dans son champ de lavande, à 6 heures du matin, il s'apprêtait à traiter son champ de lavande avec un tracteur, et puis il allume une cigarette, il se met debout pour aller monter sur son tracteur. Il était assis derrière un petit tas de pierres, il ne voyait pas vraiment son champ. Là, il voit son champ. Et qu'est-ce qu'il voit dans le champ ? Une voiture. Il dit, mais qu'est-ce qu'une voiture fait en plein milieu de mon champ de lavande ? Il pense d'abord que ce sont des Parisiens. Il dit, ah, il n'y a que des Parisiennes pour venir faire ce genre de bêtises. Parce que moi, je rencontrais M. Mas. Je suis allé chez lui. Et donc, il y va, pas content du tout, s'apprête à engueuler les Parisiens en disant « qu'est-ce que vous faites dans mon champ de lavande ?» Il pense même que la voiture, c'est une dauphine, pour ceux qui ont connu cette voiture, qui a une forme comme ça, vous voyez, arrondie au debout. Et puis, quand il s'approche, il arrive à 100 mètres. À 100 mètres, il se rend compte que ce n'est pas une dauphine, puisque ce n'est pas une voiture, il n'y a pas de roue. L'engin est posé sur des sortes de pieds métalliques, comme ça. Il voit au pied de cet ovni, parce qu'évidemment c'est un ovni, il voit deux petits êtres qui font 1,10 m de haut à peu près, avec une grosse tête, et qui sont penchés sur un plant de lavande. Alors, il est fasciné, parce que les ovnis, ce n'est pas son truc, les soucoupes volantes, ce n'est pas son truc du tout. Ça ne l'intéresse pas, il en a vaguement entendu parler comme tout le monde, mais bon, il s'en moque éperdument. Mais là, il se rend compte que ce n'est pas quelque chose d'humain et que les êtres qu'il voit ne sont pas humains. Donc, il continue à s'approcher, fasciné, en disant « mais qu'est-ce que c'est qui est dans mon champ ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Et puis, quand il arrive à une trentaine de mètres, il y a l'un des petits êtres qui l'entend marcher, sans doute, qui se relève, qui voit M. Mas, qui se retourne vers lui, et qui prend à son côté un tube creux qu'il dirige sur M. Mas, et M. Mas, à une vingtaine de mètres, est paralysé. Il est paralysé, mais il garde son sens de l'équilibre, il est debout, il garde sa conscience, il entend, il voit,
Les deux petits bonhommes discutent. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, ah ben j'ai rien compris, ça gargouillait dans leur gorge. Alors bon, ça gargouillait, glou glou glou. Et puis ils montent dans l'OVNI, les deux petits êtres. Il y a une espèce de sifflement qui se produit, l'OVNI décolle et part à toute vitesse. Monsieur Mas reste paralysé, comme ça, combien de minutes? 5, 6, 7, 8 environ. Il est tellement bouleversé par ce qu'il a vu, parce que c'est son monde qui s'effondre. C'est un type qui a une cinquantaine d'années, qui est comme tous les paysans, il a les pieds très solides dans le sol, vous savez, on ne lui raconte pas d'histoire. Mais ce qu'il a vu, c'est tout son monde, toute sa culture, et peut-être même toute sa religion qui s'effondre, parce qu'il a vu des êtres dans un engin qui n'est pas d'origine humaine. Donc il rentre chez lui à 6h30 du matin. Sa femme le voit totalement décomposé. « Mais mon chéri, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Alors, il dit à sa femme, il dit, ce que je viens de vous raconter, il dit, surtout, tu n'en parles à personne parce qu'on me prendrait pour un fou. Donc, ce n'est pas le gars qui dit, voilà, je vais écrire des livres, je vais faire des émissions de télé, je vais être la star. Il n'a qu'une hâte, c'est de dormir d'ailleurs, parce qu'il a quelque chose qui lui est tombé dans le cerveau. Il a une envie terrible de dormir qui durera plusieurs mois. Il dort 14 heures par nuit, alors qu'habituellement, il dormait 5 ou 6 heures. Et puis, il dit à sa femme, surtout, tu n'en parles à personne parce qu'on me prendrait pour un fou. Évidemment, la femme, la première chose qu'elle fait quand elle est dans le village, elle rencontre ses amis, elle dit, oh, « Savez pas ce qui est arrivé à mon mari, et tu n'en parles à personne. Hein. » Et donc, elle raconte ce que son mari a raconté. Ça vient évidemment à l'oreille des gendarmes. Très vite, le lendemain matin, ils arrivent, ils vont dans le champ de lavande, c'est protégé, ils font des empreintes, des photos, des prélèvements, etc., sur la zone d'atterrissage, parce qu'il y a des traces d'atterrissage extrêmement claires. La sécurité militaire, les services de renseignement complets font un complément d'enquête qui confirme que M. Mas est un homme tout à fait équilibré, sérieux, qui ne s'intéressait pas du tout au soucoupe volante avant et qui a été confronté à quelque chose d'inexplicable en 1965 comme en 2023, puisqu'au moment où on enregistre cette émission, nous sommes le 16 septembre 2023, on n'a toujours pas d'explication. Et M. Mas est mort, et il disait à sa petite-fille, « Tu sais, je n'ai pas tout dit, je n'ai pas tout dit. » Peut-être qu'il avait vu ou senti, ou peut-être qu'on lui avait transmis un message, je n'en sais rien, mais ça devait lui sembler tellement énorme qu'il a gardé ça pour lui et qu'il est mort avec ce secret. Mais voilà quelque chose de tout à fait clair qui s'est passé en France. Il y a eu bien d'autres témoignages. Et vous, pour répondre à votre question, il y a eu toute la vague de 1954 où vous avez eu des centaines d'observations rapprochées, de cas d'atterrissage, avec des petits êtres comme M. Mas les a vus en 1965, 11 ans plus tard. Donc on est confronté à quelque chose qu'on ne comprend pas. Et on ne le comprend pas avec notre science à nous, mais Patrick Marquet, dans le livre qui est sorti en cette année 2023 et qui s'appelle « Les ovnis voyagent dans le temps », donne une explication que je trouve absolument géniale, parce qu'elle est rationnelle, elle est basée sur la science. Patrick Marquet est docteur en sciences, il a travaillé avec un prix Nobel de physique, et donc il explique dans une petite annexe scientifique que seuls ceux qui ont le niveau peuvent lire, mais c'est 20 pages à la fin du livre, mais il y a 140 ou 150 pages qui sont très simples à lire, accessibles à tout le monde, et il explique avec des photos authentiques, parce qu'elles ont été sourcées, vérifiées, il explique que les ovnis voyagent très certainement dans le temps. Et si les ovnis voyagent dans le temps, ce que je crois, tout s'explique. Pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous? Eh bien, ils ne prennent pas contact avec nous parce que dans leur temps à eux, ils ne font qu'arriver. Ils sont sur la Terre peut-être depuis 8 jours, depuis 15 jours, depuis 2 mois, je n'en sais rien. On les voit depuis des milliers d'années parce qu'ils font des petits sauts comme ça dans le temps. Ils vont voir M. Mas le 1er juillet 65, mais dans leur temps à eux, il s'est écoulé quelques dizaines de secondes. Alors que nous, on les voit depuis des milliers d'années. Et ça expliquerait pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous.
Et je commence mon livre, mon dernier livre, Les ovnis voyagent dans le temps, je le commence avec un cas extraordinaire qui est l'affaire du caporal Armando Valdés. Alors, le caporal Armando Valdés, je crois que c'était en 75 de mémoire, au Chili, il commande 8 soldats qui sont à la frontière avec la Bolivie. Donc, il est là pour vérifier qu'il n'y ait pas de contrebandiers qui passent la nuit avec des camions, etc. Et il voit précisément ce qu'il prend pour un camion qui arrive, parce que c'est une sorte de lumière qui vient sur une piste là-bas, au pied des montagnes. Et puis, ce n'est pas du tout un camion, c'est une boule lumineuse qui arrive, silencieusement, qui s'arrête à quelques mètres des soldats. Alors le caporal Valdez s'approche, il dit « Qui êtes-vous? Qui est là? » etc. Personne ne répond. Il rentre dans la lumière pour voir ce qu'il y a dans la lumière et la lumière s'éteint, disparaît. Le caporal Valdez disparaît. Les 8 soldats qui sont là sont stupéfaits. Ils voient disparaître devant leurs yeux leur caporal dans une boule de lumière qui réapparaît un quart d'heure après dans leur temps à eux. Mais le caporal a une barbe de plusieurs jours. Et sa montre avance de 5 jours. Donc, voyage dans le temps, vérifié, vérifiable. On ne peut pas faire pousser artificiellement une barbe de plusieurs jours en un quart d'heure. Et il a été tellement marqué, il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé alors qu'il avait été enlevé pendant un quart d'heure. C'est souvent le cas d'ailleurs de ceux qui ont été en contact avec les ovnis. Hein. Ceux qui connaissent les dossiers connaissent le voyage interrompu de Betty à Barney Hill. Donc, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il comprend bien qu'il a été confronté à quelque chose qui dépasse l'espèce humaine. Il quitte l'armée et maintenant, il est dans une espèce de sommeil hypnotique permanent. Il se demande ce qui lui est arrivé. Il se pose des tas de questions qui ne sont pas du niveau du caporal Armando Valdés qu'il était et qui lui permettent d'avoir un regard vers les étoiles. Pour reboucler sur Valensole, on salue Dominique Silhol qui fait partie de la structure, qui travaille sur ce long métrage et qui présentera les premières images au repas ufologique de Paris le 30 septembre. On retrouve aussi toute votre enquête dans le livre La nouvelle vague des soucoupes volantes avec le témoignage de non seulement M. Mas, mais aussi les gendarmes et procureurs qui ont mené l'enquête dessus. Par rapport à votre dernier livre, Les ovnis voyagent dans le temps. Ça rejoint aussi les recherches du docteur Michael Masters, qui est lui anthropologue aux États-Unis et qui a fait un peu le même genre de travail, c'est-à-dire qu'il a pris la somme de l'ensemble des cas qui étaient existants et cherché quelle pouvait être une explication scientifique au sujet et a lui-même développé sa propre thèse de voyageurs dans le temps qui pourraient par accident arriver à des endroits qui ne sont pas prévus et qui correspondent en fait à beaucoup de signalements où on voit que les individus qui sont à proximité des engins sont aussi perdus en fait que les témoins et essayent de se dépêcher de repartir. Si on prend en plus le corpus, que j'ai trouvé très intéressant, c'est que si on prend votre dernier livre et qu'on lit les 4 premiers livres dont on a parlé précédemment, on voit en filigrane en fait les réponses à l'intérieur. C'est-à-dire que si on lit votre premier corpus avec la lumière du dernier livre, on arrive à expliquer chacun des cas que vous listez dans les 4 premiers livres en utilisant cette lumière-là du voyage dans le temps. Donc, c'est un exercice mental que je recommande à l'audience, c'est de lire vraiment les 5 livres comme un seul corpus, puisqu'ils se connectent, ils s'interconnectent en fait extrêmement bien les uns avec les autres. Il y a une chose qui m'a vraiment posé question, puisque j'ai découvert un cas dont je n'avais jamais entendu parler, qui est celui de 71, où il y a eu une récupération de débris, qui était un ensemble d'aluminium et de magnésium, récupéré sous forme de sphérules suite à un dépôt qui avait été observé par de nombreux témoins. Et ces débris ont été analysés par des laboratoires professionnels, à grand renfort de budget d'ailleurs, et ils ont été remarqués comme ayant une composition qui est anormale pour les alliages industriels qu'on pourrait trouver sur Terre, et avec un rapport isotopique qui est aussi anormal par rapport aux composés qu'on trouve sur Terre. Étant donné que ça se situe en 71,
De mon point de vue, où moi je découvre le sujet en 2017, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas eu une réaction scientifique à ces découvertes-là entre 71 et 2017, où d'un coup, plein de gens découvrent le sujet à nouveau parce qu'il y a la puissance médiatique des États-Unis derrière? C'est une question évidemment que tous ceux qui s'intéressent sérieusement aux ovnis se posent. Mon sentiment, je ne dis pas du tout que j'ai raison, hein, je n'ai pas la science infuse, mais enfin je suis comme vous, j'ai un cerveau, j'essaye de réfléchir. Et je l'alimente beaucoup tous les jours. Je pense que tout ce qui de près ou de loin concerne un objet volant non identifié qui s'est écrasé, avec ou sans des petits extraterrestres à l'intérieur qui sont morts ou qui sont vivants, tout cela pour moi est totalement impossible. Pourquoi ? Parce que je regarde déjà comment nous fonctionnons sur la planète Terre. Je rappelle que l'Homo sapiens sapiens erectus, c'est-à-dire vous et moi et ceux qui nous regardent, on a 300 à 400 000 ans. 400 000 ans par rapport à l'âge de l'univers, pour que ce soit clair, c'est comme si l'âge de l'univers était réduit à un cadran de 24 heures, eh bien notre vie intelligente, entre guillemets, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit aussi intelligent que ça quand je vois la famine, les guerres, etc. Mais enfin, peu importe. Eh bien, la vie est née à 23 heures, 59 minutes, 58 secondes. On vient de naître par rapport à l'âge de l'univers. Quand le premier avion a-t-il volé ? Bon, il y a 50 dates qui sont données, mais j'en ai pris une parce qu'elle a le mérite de fixer les idées. C'est en 1903. En 1903, il y a eu un vol d'avion, 260 mètres en vol plané, à 40 cm d'altitude. Ça fait rire tout le monde. Ça, c'était le premier vol, 1903. On est en 2023, donc on est 120 ans plus tard. Combien il y a d'accidents d'avion chaque année ? Il y en a, évidemment. De moins en moins. Et de moins en moins par rapport aux millions, milliards d'heures de vol chaque année. C'est-à-dire qu'en 120 ans, nous avons été capables de construire un moyen de transport qui est de plus en plus fiable, avec de moins en moins d'accidents. De quoi serons-nous, nous, les humains, capables dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, dans 5000 ans, dans 50 000 ans ? Or, il peut y avoir une civilisation qui vient nous voir, elle a certainement beaucoup plus de 500 ans d'avance par rapport à nous. Et je pense qu'une civilisation qui a ne serait-ce que 500 ans d'avance, mais elle peut avoir 500 millions d'années ou 5 millions d'années ou 5 milliards d'années, elle n'a plus d'accident. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que c'est la perfection absolue. Donc, je ne crois pas du tout aux débris de soucoupes volantes récupérées. Je ne crois pas du tout aux extraterrestres qui dorment dans un frigo de la CIA aux États-Unis. Je n'y crois pas parce que ça me paraît contraire à ce que mon intelligence, bien modeste, m'incite à penser face au propre fonctionnement de notre société qui est encore bien rudimentaire, puisqu'en 2023, il y a encore des guerres, il y a encore des famines, il y a encore des violences, il y a encore des assassinats, il y a encore des viols, donc on n'a pas de quoi rouler les mécaniques. Donc dans ce cas-là, comment est-ce que vous interprétez le témoignage sous serment de l'ancien agent officier des renseignements David Grush, qui déclare devant une audition du Congrès américain que oui, des engins ont été récupérés, y compris des éléments biologiques à l'intérieur ? Bien, mon cher Baptiste, il ne vous a pas échappé que tous ces braves gens qui viennent devant les caméras ou devant le Congrès dire « je suis un ancien des services secrets », j'ai rencontré dans le cadre de mes responsabilités d'autres agents opérationnels des services secrets qui m'ont dit qu'ils avaient vu une soucoupe volante dans un hangar et des petits extraterrestres dans un frigo. Tout ça, pour moi, c'est de la manipulation. La seule question que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse sûre, c'est pourquoi font-ils cela ? C'est sur ordre, c'est évident. Est-ce que c'est pour nous préparer à une révélation ? Peut-être, je n'en sais rien, l'avenir le dira, mais je ne crois absolument pas aux soucoupes volantes dans un hangar et aux petits extraterrestres dans un frigo. D'accord, très bien. Personnellement, dans le corpus, il y a un livre qui m'a marqué, qui est celui-ci, c'est « OVNI, l'armée parle », parce qu'en plus, il y a les illustrations venant des archives de la gendarmerie nationale à l'intérieur, et
je dois avouer que même en littérature internationale, si je vais chercher dans les autres pays, c'est extrêmement dur de trouver des archives où il y a des clichés qui sont validés comme étant des ovnis qui sont montrés. Y compris des faux d'ailleurs, quand il y a aussi des faux qui sont montrés comme étant faux, qui ne sont pas du tout mélangés. On voit à l'intérieur de ce livre à quel point l'armée est intriguée par ce phénomène et à quel point il y a quand même des ordres d'interception de ces objets quand ils se déplacent à l'intérieur des cieux, quel que soit le pays. Dans ce cadre-là, pourquoi est-ce qu'ils maintiennent la position que ce sujet n'est pas intéressant pour l'armée et que cela ne représente pas une menace, selon vous ? Est-ce que c'est vrai ? Alors, il y a à la fois un mensonge et une vérité. Le mensonge, c'est que ce n'est pas intéressant pour l'armée. Évidemment, tout ce qui est intervention d'une technologie aux capacités supérieures aux nôtres intéresse toutes les armées du monde. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas une menace. Parce que si les ovnis représentaient une menace, il y a longtemps qu'ils nous auraient détruits ou colonisés. Ils sont peut-être en train de nous coloniser sans qu'on en ait conscience. D'ailleurs, c'est possible. Exactement comme les abeilles travaillent pour l'apiculteur sans avoir conscience du fait qu'il y a l'apiculteur qui attend qu'elles aient fait leur miel pour le voler et pour nous le vendre. Mais moi, je pense que dans ce dossier des objets volants non identifiés, dont vous avez parlé, avec le secret l'armée parle, il y a une photo qui, moi, m'a beaucoup intrigué. C'est la photo qui est prise par des gendarmes, et où on voit les ovnis, on voit un ovni qui a l'air d'être à plusieurs endroits à la fois de la photo en un 25e ou un 50e de seconde, comme s'il allait basculer dans un autre espace-temps. C'est tout à fait intéressant. C'est une photo qui est jugée authentique puisqu'elle a été prise par des militaires, qui a été analysée à une époque où on avait encore la capacité de faire la différence entre un artefact, c'est-à-dire une fausse photo, et puis une vraie photo, alors que maintenant, avec l'intelligence artificielle, je souhaite bien du plaisir à ceux qui vont être face à un film d'OVNI, à un atterrissage d'OVNI, ou même un dialogue avec un extraterrestre, parce que je suis époustouflé par l'évolution hyper rapide de l'intelligence artificielle avec laquelle je discute tous les jours d'ailleurs, ChatGPT 4, et ChatGPT 5 va arriver début 2024. On me dit que c'est 1 million de fois plus puissant que ChatGPT 4, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous savez qu'il y a un photographe par exemple en Allemagne qui a fait un concours de photos, photographe professionnel, et qui a gagné le concours de photos. Et après, il a dit, très honnêtement, il a dit, bon, ben voilà, je vais vous dire la vérité, c'est pas moi qui ai fait la photo. J'ai demandé à ChatGPT 4 de me faire une photo comme ci, comme ça. Et c'est l'intelligence artificielle qui a fait ça en quelques secondes et qui a gagné le premier prix, le premier concours de photo. C'est très inquiétant. J'ai écrit un très, très court livre qui doit faire 6 pages. C'est plus un article qu'un livre, d'ailleurs. Mais ça a été publié sous forme d'un petit livre il y a 6-7 ans, en disant attention à l'intelligence artificielle, parce qu'un jour ou l'autre, elle va prendre le pouvoir, elle n'est pas loin de l'avoir pris d'ailleurs, et elle va se dire, mais quel est le problème de la planète ? Qui déclenche les guerres ? Les hommes. Qui déclenche les famines ? Les hommes. Qui déclenche les violences ? Les hommes. Qui fait les agressions ? Les hommes. Qui viole ? Les hommes. Etc. Alors, quelle est la solution ? Eh bien, on supprime les hommes. Et donc, on supprime les problèmes. Donc, j'expliquais dans ce livre comment l'intelligence artificielle, c'était il y a au moins 7 ans, va prendre le pouvoir tout simplement en coupant l'électricité. C'est très facile à l'intelligence artificielle de couper l'électricité. Il suffit de couper les approvisionnements sur les lignes électriques. Elle garde simplement quelques endroits, quelques éoliennes, quelques photovoltaïques, quelques barrages hydroélectriques, une centrale nucléaire pour s'auto-alimenter, et elle élimine les hommes. Et comment elle élimine les hommes ? Pas du tout, contrairement à ce qu'ont imaginé des auteurs de science-fiction, en prenant en main les tanks, les avions, les canons et en tirant sur les êtres humains. Elle coupe l'électricité. Vous voyez, elle n'a plus d'électricité, on n'est plus en direct, le frigo s'arrête de tourner, vous n'avez plus d'informations, ni radio-télé,
Votre téléphone portable ne fonctionne plus, votre ordinateur ne fonctionne plus, votre carte bancaire ne fonctionne plus. Vous allez acheter de la nourriture dans le supermarché pendant 24 heures, à condition de payer avec des billets. Si vous n'avez pas de billets, on va dire, monsieur, je suis désolé, on ne prend que les billets parce que notre carte bancaire, les cartes bancaires ne sont plus auto-alimentées. Au bout de 48 heures, les supermarchés sont obligés de mettre sur le trottoir tout ce qu'il y avait dans les frigos, puisque c'est la loi. Au bout de 48 heures, on ne peut plus rien garder dans les frigos parce qu'ils ne gardent pas le froid au-delà de 48 heures. Et puis après, comment on mange? Comment vous faites pour manger? Comment vous faites pour mettre de l'essence ou du gazole dans la voiture? Les pompes, elles fonctionnent à l'électricité. Comment vous faites pour recharger votre voiture électrique? Il n'y a plus d'électricité. Alors vous êtes agressé, vous téléphonez tout de suite aux gendarmes, le téléphone ne fonctionne pas. Vous prenez le vélo, vous allez à la gendarmerie. J'ai été agressé, ma femme est en train d'être agressée par des voyous. Ah mais monsieur, on n'a pas de vélo et puis on n'a plus d'essence dans la voiture de la patrouille. Vous voyez, la civilisation, en 3 jours, elle s'effondre totalement. J'ai pris conscience de ça, je vais vous dire quand. J'étais en Bretagne, je venais de créer l'information sur la 5, c'était donc en octobre, je pense, 1987. Il y a eu des vents de plus de 200 km/h et une partie de la Bretagne a été privée d'électricité pendant 8 jours et 8 nuits. Et là, j'ai vu l'effondrement de notre société. Donc l'intelligence artificielle, elle est capable de faire ça, de couper l'électricité et de nous faire retourner à l'âge des cavernes en l'espace de 3 jours. Non, on a justement fait une émission spéciale là-dessus avec un spécialiste sur les intelligences artificielles. Et pour ceux qui voudraient aller voir plus loin, c'est quelque chose qui est présent depuis des décennies pour la peine. Vous pouvez aller voir Colossus, The Forbidden Project, qui était une des premières mises en image de ce type de problématique. Mais on peut remonter aussi bien à Metropolis de Fritz Lang qui reprend la même chose. Par rapport au contexte dans lequel la recherche sur les ovnis se déroule aujourd'hui, il y a quand même, de mon point de vue, beaucoup plus de scientifiques qui se lancent dans cette recherche. Alors, c'est un peu porté par le docteur Avi Loeb de Harvard, qui a créé le projet Galileo. Il est allé récupérer des débris au fond de l'océan et il prévoit de placer des systèmes de caméras avancées pour enregistrer ces pans. Et il y a une dizaine d'autres programmes scientifiques dans différentes universités qui sont dans une sorte de traque de ces ovnis. Est-ce que vous pensez que le phénomène est assez élusif pour qu'il échappe à ces tentatives de capture, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est parfaitement neutre par rapport à nous, et donc qu'on arrivera à avoir des photographies à très haute résolution avec des relevés des autres stations en même temps? Je pense qu'il y a sur la planète Terre quelques initiés qui savent ce qui se cache derrière le dossier OVNI vie extraterrestre. Et je crois, enfin j'espère même, qu'un certain nombre de déclarations, comme l'ancien ministre de la Défense du Canada, comme le président de la Russie, M. Medvedev, quand il était au pouvoir, comme Chaim Eshed, qui est un éminent scientifique israélien, qui ont fait des déclarations absolument choc en disant en fait, les extraterrestres sont déjà sur la planète Terre, ils nous ressemblent comme 2 gouttes d'eau, il y en a même dans certains gouvernements. Et d'ailleurs, Medvedev disait la première chose qu'on nous apprend quand on est élu président de la Russie, on nous donne la liste des extraterrestres qui sont dans les gouvernements. Ce qui faisait rire d'ailleurs la journaliste qui lui avait posé la question parce qu'elle pensait que c'était une blague. C'est peut-être une blague, j'en sais rien. Mais enfin, c'est quand même une blague du président de la Russie, qui n'avait pas l'air du tout de rigoler. Parce que quand on fait une blague, à la fin de la blague, on rigole, quoi. On dit, bon, ben, je t'ai bien eu. Donc, ce n'était pas du tout le cas. On le retrouve d'ailleurs tout ça sur le web. Alors, pour terminer cet entretien, parce que je dois malheureusement le terminer, ça fait plus d'une C'est heure la que fin, de toute façon. nous parlons ensemble avec plaisir, je dirais qu'il faut garder l'esprit très ouvert, mais ne pas être un croyant, un fanatique. Imaginez que la vérité qui apparaîtra un jour ou l'autre, parce que l'attitude américaine me laisse supposer qu'il y aura peut-être des révélations prochainement, en cette fin d'année 2023, on verra bien. Il faut garder une attitude très rationnelle, très mesurée, mais je pense que le dossier des ovnis a ceci d'extraordinairement positif, c'est qu'il nous oblige à avoir un regard vers les étoiles, vers le cosmos, à comprendre que nous sommes
dans une galaxie qui comprend 300 milliards à 400 milliards d'étoiles, c'est-à-dire de soleils plus ou moins grands que le nôtre, et qu'il y a plus de 2000 milliards de galaxies. C'est grâce à Webb qui a été envoyé en 2021, à la fin de l'année 2021, que nous avons découvert que l'univers était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus immense encore que nous ne l'imaginions. Tout à fait. Donc, merci beaucoup pour votre temps. C'était un réel plaisir de vous avoir pour mon audience. Évidemment, je renvoie l'audience au corpus de 5 livres dont on a parlé tout à l'heure, y compris Les OVNIs voyages dans le temps qui vient de sortir. Est-ce que vous avez l'idée de ce que sera votre prochain ouvrage à sortir? Oui, alors j'ai plusieurs ouvrages qui vont sortir qui n'ont rien à voir avec les ovnis. À la fin septembre, je sors une bande dessinée sur la première intervention du GIGN dans un désert où ils ont tué 5 preneurs d'otages d'enfants à 186 mètres, qui est dessiné par un dessinateur absolument remarquable et qui a collé au plus près à ce premier exploit du GIGN. Au mois de novembre, je sors l'histoire secrète de la 5, puisque j'étais rédacteur en chef de la 5, qui est morte en 1992, et je raconte un certain nombre d'histoires qui vont titiller les neurones. Notamment comment Monsieur Bouygues, je vais vous donner un petit scoop, tiens, comment Monsieur Bouygues, qui voulait absolument que je reste sur TF1 pour présenter le journal de 13h de la semaine, ce qu'a fait mon ami Pernaud pendant plus de 30 ans, et que je n'aille pas avec Berlusconi sur la 5. Alors avec Berlusconi sur la 5, je gagnais 12 000 euros par mois, l'équivalent, à l'époque c'était des francs, et Monsieur Bouygues me proposait près de 150 000 euros par mois, vous imaginez, avec une voiture, un chauffeur, une carte de crédit avec des frais illimités, etc., pour rester sur TF1. Ce qui prouve bien que je ne suis pas un homme d'argent, parce que si j'étais resté sur la 5, si j'étais resté sur TF1, j'aurais gagné l'équivalent de 150 000 euros depuis près de 40 ans. Voyez. Voilà, donc ça c'est mon Absolument. deuxième livre. Je vais faire un troisième livre sur la bête du Gévaudan. Le chemin de la bête du Gévaudan, ce sera au début de l'année prochaine. Et puis un livre sur le barrage de Nossac qui enfouit le village de Nossac où j'avais de la famille. C'était des paysans, des agriculteurs qui malheureusement ont vu leur ferme envahie par les eaux. Le barrage de Nossac ayant été créé pour donner de l'eau aux centrales nucléaires, pour nous donner de l'électricité et pour que l'on continue à suivre votre journal télévisé personnel. Ah, très belle métaphore, très belle métaphore. Merci beaucoup Jean-Claude Bourret pour votre Merci. participation. Au revoir à tous. From outside this world. Government has made contact with intelligent extraterrestrials.